ce qui se dit tout bas. Écoutez ici, chers camarades peu d'Afrique. On va l'écouter. Pourquoi je dis qu'il faut qu'on arrête de perdre vraiment notre énergie et d'aller à l'essentiel, hein, qui est de se réunir autour du candidat du PDC IRDA? C'est toute cette aura qu'il développe. Il y a un autre appel. Ah oui, c'est toute cette aura qu'il présente. C'est le fait que il est un facteur de réconciliation, de par lui-même son propre profil personnel. Comprenez? D'accord. Et donc, je vais inviter les uns les autres à aller à l'essentiel. L'essentiel pour nous, c'est de revenir à ce qu'il y a à faire pour qu'on ait des élections apaisées. Merci, les trois minutes sont écoulées. Merci, si les trois minutes. Donc, vous l'avez écouté. Dans un premier temps, ça, je n'ai pas pris ça. Dans un premier temps, il dit que le PDCI n'est en alliance avec personne. Ça, on le connaît. Bon, on connaît la DAD. Avec Bédier, on avait un accord cadre qui avait été signé avec Bédier et tous les partis politiques pour avoir une élection libre, transparente. Maintenant, chemin faisant, quand on a commencé les quand on devrait aller aux élections législatives, Gbagbo et Bédier ont décidé avec tous les autres qui étaient, tous les autres partis et groupements politiques qui étaient dans cet accord cadre-là, de faire une sorte de coalition pour aller aux élections présidentielles, pardon, aux élections législatives. C'est ce qui a été fait. Après les élections, l'accord est laissé en cours, a été abandonné en cours de chemin. Donc, c'est ce que Gbagbo et Bédier s'employaient à reprendre. Et Bédier est mort. Et Bédier a été tué. Oui. Et le général Wassena Kone a été tué. Wassena Kone a dit même qu'il a été empoisonné. Oui. Les noms vont sortir. Qui les a tués là? Ça a sorti. Voilà. À qui profite le crime? À la question. À qui profite le crime? À la question. Chers camarades peu d'Afrique, le tonton Waworo, ayant mis à nu la pensée du PDC RDA, nous, on va expliquer. On va parler. Il dit, chez eux là, il faut que toute l'opposition se réunisse autour de Thiam. Parce que selon eux, et ce qu'ils souhaitent de tous leurs vœux, c'est que Gbagbo étant hors de la liste électorale, Soro Guillaume étant hors de la liste électorale, l'autre Waworo, il ne parle pas de lui, Soro Guillaume et Gbagbo étant hors de la liste électorale, les deux là doivent se réunir derrière Thiam pour pousser Thiam vers le palais présidentiel et Thiam sera candidat et Thiam va gagner le pouvoir et puis c'est fini. Voilà leur pensée. Mais nous, chez nous, qu'est-ce que nous on dit? Nous, on dit, nous tous là, on se bat pour que tous les partis politiques, toutes les personnalités politiques qui désirent être candidats, leur candidature soit acceptée comme en 2010. Qu'il n'y ait pas d'exclusion. Voici notre position. Qu'il n'y ait pas d'exclusion en 2025. Que tout le monde aille aux élections en rang dispersé. Et quand on va aller au deuxième tour, la personnalité qui va atteindre le deuxième tour, eh bien, tous les autres partis d'opposition se mettent derrière cette personnalité-là pour le pousser à gagner. Vous comprenez? Comme ce que le RADP a fait en 2025, là. En 2011, là. D'ailleurs, ils n'ont pas gagné. Mais quand même, ce qu'ils ont fait, là, Bédié a appelé à voter pour Ouattara, là. C'est ce qu'on souhaite. Mais eux, dans leur tête, il faut que nous, on renonce à la candidature de Gbagbo et que eux, on les accompagne, que nous, on ne donne pas de candidat et que nous, on les accompagne pour les envoyer aux élections. Mais depuis Oufou Boigny, le PDCI a été toujours accompagné. Ils ne se sont jamais battus pour avoir quelque chose. C'est Bédié qui voulait se battre pour leur donner quelque chose. Et on a vu en 2020 ce qu'ils ont fait à Bédié. Et d'ailleurs, en 93, écoutez très bien. En 99. D'abord 93, ils ont même combattu Bédié en 93. Le PDCI, là. Ils ont combattu Bédié en 93. En 1999, quand le coup d'État a été fait contre Bédié, que Bédié s'est réfugié à l'ambassade des États-Unis, Bédié a lancé un appel à l'insurrection. Même mouche du PDCI n'est pas sorti. Même mouche, ils ont lâché Bédié en plein vol. Le Waworo qui parle là. Donc, ils pensent que nous, on va les accompagner. Non, nous, on ne vous accompagne pas. Hein? Nous, on ne vous accompagne pas. Nous, notre position est claire. Et j'ai vu une grosse salle aujourd'hui. Une politique est bizarre.
politique est bizarre. Une go, no go. Wawara. Une go façon. Qui met sa bouche sur Borokone. Je comprends pas. Parce que Borokone a dit s'il n'y a pas élection, s'il n'y a pas Borokone, il n'y a pas élection. Une go sale. Tu ne comprends pas. Si ce n'est pas politique, bouge comme ça. Va parler sur moi. Si ce n'est pas politique, bouge comme ça, va parler sur moi. Nous réitérons ici. C'est pourquoi je vous demande de faire les dons. C'est pourquoi je vous demande de faire les dons. Mettez l'argent sur le lien que j'ai mis là. Mettez l'argent dessus. Au nom de Dieu, si Gbagbo n'est pas sur la liste, la Côte d'Ivoire va prendre feu. Ça là, il faut que les gens mémorisent ça. Si Gbagbo n'est pas sur la liste électorale et qu'il n'est pas candidat, il n'y a pas élection. Le pays là, ça va prendre feu. Moi, je vous dis ça. C'est moi qui vous dis ça. Si des garçons là, Gbagbo va laisser l'inscrit. Faut pas. Quelqu'un n'a qu'à lui enlever son nom. Et puis le père, on ne vous a pas appelé pour venir nous aider. Et c'est nous, on vous a appelé. Et c'est nous, on vous a appelé à venir nous soutenir. Regarde-moi les gens comme ça. Hein? Chers camarades d'Afrique. Hein? Regarde-moi les gens comme ça. Les prêts. Les enfants de je ne sais pas quoi. Nous, on est les hommes de terrain. Nous, on est les hommes de terrain. Nous, là, on a. Depuis où fouet, votre père fouet, là. On l'a mis dos au mur. On l'a coincé. Il a libéré la parole. Gbagbo l'a dit. Votre père, là, il ne m'a pas effrayé. C'est pas vous qui allez m'effrayer. D'autant plus qu'aujourd'hui, les réseaux de Gbagbo, là, on ne peut pas finir de côté. Je vais vous parler ce soir. Parce qu'il est temps de parler. Il est temps de parler. Et on va parler. Et Oxymore est là, Anse est là, Emmanuel est là, tout le monde est là. Je vous donne l'ordre de parler. Je vous donne l'ordre de parler. Parler. Il est l'heure de parler. Et on va parler. Quand eux, ils encensent Thiam, ils font comme Thiam, c'est Ouattara Peace. C'est-à-dire qu'ils font comme si Thiam ne marche pas sur terre. Parce que Thiam est avec, je ne sais pas, les grands du monde. Ce n'est pas les grands du monde. Il y a deux blocs. Il y a deux blocs. Deux. Il y a deux blocs. Il y a le bloc de l'Est et il y a le bloc de l'Ouest. Le bloc de l'Est, là, il est plus fort aujourd'hui que le bloc de l'Ouest. Économiquement, militairement, à tous les niveaux. Les BRICS ont dépassé le G7 en termes d'économie. Les BRICS ont dépassé le G7 en termes d'économie. Militairement, vous ne pouvez pas. La Chine a pris, la technologie spatiale. La Chine a pris ça. La Russie, en termes de nucléaire, tu ne peux pas t'amuser à lui. En termes de technologie, la Russie dépasse cela. Il y a les ordinateurs russes qui sont sortis là. Tu ne peux pas t'amuser. Les Russes, les petits hackers russes sont restés chez eux. Ils ont mélangé l'Assemblée nationale française. Les petits hackers russes. Ils sont restés en Russie pour mélanger, pour rendre, pour paralyser l'Assemblée nationale française pendant quelques heures. Donc, à tous les niveaux, vous ne pouvez pas. Alors que c'est le boss du bloc de l'Est. Écoutez-moi très bien. Poutine. Qui coule derrière Gbagbo. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ce n'est pas les Wara Wara là, hein? Les Bill Gates, les Nyama Nyama là. C'est pas eux, hein? Eux là, Gbagbo même, il est fait recevoir par Katina et la Bibar. Vous avez vu les démocrates là, ils coulent derrière Gbagbo, ils rentrent derrière lui. Il a envoyé à Bibar là-bas. Pendant que votre gars, est parti s'arrêter là-bas comme ça. Il est parti se cacher dans le virage. Et que voici stade. Voici où les officiers s'asseyent. Où les VIP s'asseyent. Maintenant, où le un ton s'asseye là. Lui, là, il s'assoit dans le virage là-bas. Ou quand tu vas au stade où tu perds 1000 francs pour t'asseoir là. C'est là-bas. Et puis, il s'est coincé. Il y a une photo. Gbagbo va pas là-bas.
C'est Poutine qui coudrait Babo. Ouais. Poutine qui coudrait. Mais vous pensez, on m'a tagué sur une publication d'Anonymous ou quoi là, du Burkina Faso. Il dit que Tene Bremen Ouattara veut tenter d'empoisonner Babo avant les élections présidentielles. Mais on le sait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le RADP, lui, il ne sait pas comment Babo fait pour déjouer tout leur plan. Et que tout leur plan de subversion, toutes les tentatives qu'ils mettent en œuvre, comment Babo fait pour tout déjouer? Et ça part. Mais il y a le FSB à Abidjan. En Côte d'Ivoire, là. Il y a le service de renseignement russe qui est là-bas. Le service secret russe, il est là-bas, à Abidjan. Il est à Abidjan, il est à Maman. Oui. Le service secret russe, il est à Abidjan, il est à Maman. Il est à Ganoua, il est sur tout l'axe Abidjan-Maman. Il est là-bas. Et il accompagne tout Babo. Est-ce que vous comprenez? On va parler un peu. Parce que comme on citait un peu, on va parler. Est-ce que vous comprenez ça? Eux là, ce que les gens ne savent pas, les gens disent, non, les Américains, les Occidentaux, ils ne veulent pas perdre la Côte d'Ivoire. Ben, s'ils perdent la Côte d'Ivoire, ils ont tout perdu. Mais si Poutine n'a pas gagné la Côte d'Ivoire, l'AES ne peut pas avoir la paix. C'est ça. Il faut peser le pour et le contre. Si le peuple de l'Est n'a pas eu la Côte d'Ivoire, l'AES ne peut pas avoir la paix. Il faut la Côte d'Ivoire, impérativement, pour que l'AES ait la paix. Parce que la Côte d'Ivoire fait frontière avec deux pays de l'AES. Deux pays de l'AES. Mali, Burkina. La Côte d'Ivoire peut les déstabiliser. Peut tenter de les déstabiliser. Par contre, si on a la Côte d'Ivoire, si la Russie a la Côte d'Ivoire, c'est déjà bouclé. C'est déjà bouclé. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, la Russie, là, compte sur Babo. Ouais, depuis 2014. Non, pas quand 2014, depuis 2010. Allez-y sur Internet. Allez-y taper. La Russie bloque l'intervention des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Allez taper. Vous allez voir que la Russie a bloqué. La première résolution qui a été prise pour aller contre Babo, la Russie a bloqué. C'est la deuxième à la laisser. Mais elle avait déjà tout planifié. Elle avait déjà tout planifié. Il y a des systèmes d'écoute téléphonique qui avaient été déjà mis en place. Mais aujourd'hui, ce même système-là, il existe. Les Occidentaux ne savent même pas comment ils vont... Non, Hans, laisse, y a parlé. Les Occidentaux ne savent même pas, Ouattara même ne sait même pas comment il va faire pour, on va dire, pour anéantir ceci, ce réseau, ou bien pour supprimer ce réseau en Côte d'Ivoire, Abidjan, il est là-bas. Boubou, si c'est plus... Ouattara, qui a intercepté leur appel? Qui a intercepté? C'est le même réseau qui a servi à intercepter les appels en 2010, 2011. C'est ce même réseau qui a intercepté leur appel. C'est pourquoi vous voyez Ouattara, chaque deux jours, chaque un mois, il vient à Paris pour venir rendre compte. Parce qu'il ne peut plus faire en téléphone. Vous avez vu, même quand ils étaient en train de faire visioconférence, ils ont fumé là. Vous montrer, chers camarades d'Afrique, aujourd'hui, les Russes là, ils sont à Abidjan. Il y a Russes arabes. Il y a Russes arabes. Et vous comprenez ça? Il y a des Russes là, ils sont comme des Arabes. Il y a des Russes là, ils sont comme des Coréens. Il y a des Russes là, ils sont comme des Noirs. Ils sont en Russie, dans Russie là, dans la même Russie là. C'est eux qu'on en voit à Côte d'Ivoire. C'est eux qu'on en voit en Afrique. Des jolis go russes. Tu la vois en direct coréenne. Tu la vois en direct chinoise. Tu la vois en direct libanaise. Mais c'est russe qui l'a comme ça. Elle est venue t'espionner. Hein? Et ils sont habitants là-bas. Là-bas. Et tu peux pas les, tu peux pas, c'est-à-dire que tu peux pas les reconnaître. Tu peux pas les reconnaître. Ouais. Ils sont là-bas. Donc, aujourd'hui là, il faut dire au Wara du PDCI là, de se calmer. Qui opère ce travail, hier, Macron? Qui opère ce travail dans quel... Qui opère ce travail, hein, Macron? Awadou Melo, il a été d'abord dans... Comment dirais-je? Dans le département Afrique
des affaires étrangères de la Russie d'abord. Il travaillait avec Sergei Lavrov d'abord. Avant de venir travailler pour dans l'alliance des BRICS. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est Babo qui l'a mis là-bas. Babo Domelo, c'est l'oreille et la bouche de Babo auprès de Poutine. Il se parle. Babo Domelo, il parle russe comme il parle Annie. Il parle russe comme il parle français. Babo Domelo, que tu vois comme ça. Il parle à Poutine comme ça. Comme vous et moi, vous me parlez. Est-ce que vous comprenez ça? Téléphone direct, Poutine Babo. Direct, allô, allô. Est-ce que vous comprenez? Donc, il ne faut pas que les gens se mélangent pour dire non, le gars arrive. Je vais vous montrer une chose. Je vais vous montrer quelque chose. Tiens, Zegui. Petit banquier. Petit banquier, encadré de la lui. Des plaisanteurs comme ça, là. Hein? On va vous montrer un peu les choses ici. Chers camarades, peu d'Afrique. Écoutez cette vidéo. Déjà, regardez la vidéo. Vous voyez un blanc ici, un blanc là-bas. Écoutez la vidéo. Écoutez, hein. Que vous avez vu, ça c'est hier, il a dit ça. Il y a un blanc qui a assis à côté de lui. Laurent Gbagbo, il est en Europe actuellement. S'il n'est pas reparti, hein, mais jusqu'à hier, il est en Europe. Laurent Gbagbo, il a été reçu par le Vatican. Le Vatican. Pas parce que il a un lien particulier avec le Vatican, non. Parce qu'il tient le Vatican. Il tient le Vatican. C'est une chose. Laurent Gbagbo, que vous voyez là. Il y a deux personnes qui vont trembler le Vatican. C'est Poutine et Gbagbo. Sinon, le Vatican fait trembler les autres. Mais Gbagbo et Poutine font trembler le Vatican. Parce qu'ils ont beaucoup de choses sur le Vatican. Mais vous-même, regardez. Vous avez déjà vu un homme. Il va faire un procès. Et quand comment on appelle ça, l'accusation finie de faire passer. C'est témoin. En même temps, on dit bon, tu es libéré. Non, c'est parce que si l'homme là, il l'ouvrait, si Gbagbo l'ouvrait, et qu'il faisait passer ses preuves, et qu'il faisait passer ses audios, frère, authentique, ses enregistrements audio authentiques, et qu'il faisait passer ça. Le monde entier allait trembler. Comme de la manière, la guerre, les images de la guerre du Vietnam ont fait trembler le monde. Les écoutes téléphoniques de Gbagbo, là, ça allait faire trembler le monde entier. Mais ces audios-là sont bien consignés chez Poutine. Vous pensez que Poutine est fou? Vous pensez qu'il ne connaît pas l'importance de la Côte d'Ivoire? Il sait que tant qu'il n'a pas affaibli l'Occident en Afrique, il sera toujours combattu. Il est en train d'étendre son influence. Est-ce que vous comprenez ça? Nous là, on a le bloc de l'Est en poche. Et puis le bloc de l'Ouest court derrière nous. C'est comme ça, c'est ça qui est Gbagbo. C'est pourquoi il parle comme il veut. Quand il veut, il finit de chier et il va s'asseoir. Et puis, il n'y a rien qui veut se passer. Puis, il n'y a rien qui s'est passé. Est-ce que vous comprenez ça? Et puis, il n'y a rien qui va se passer. Et puis, aujourd'hui, le bloc de l'Ouest, là, il est fissuré. Il est fini. Il est à son terme. Trump, là, il va prendre le pouvoir. Trump, que vous voyez là. Il va prendre le pouvoir. En novembre, là, il va prendre. Les deux gros soutiens qui se sont ajoutés à lui, là, Elon Musk, et puis le petit-fils Bobby Kennedy, là, le petit-fils de John Fitzgerald Kennedy, là, qui avait entre 5 et 6% des intentions de vote. Alors que Trump était déjà en avant, près de 6% déjà.
sur les démocrates avant que Kamala Harris n'arrive. Donc 6 plus 6, ça fait comme 12%. Il est devant eux, 12 pas. Quel camarade quoi qu'il va faire quoi? Même si ses camarades l'ont dit, il ne peut pas gagner, Trump. Trump va les frapper. Et quand Trump va les frapper, là, les bases militaires que vous êtes en train de créer dans l'AES, là, en Côte d'Ivoire, là, au dîner, là, Trump va les rappeler. Il va les rappeler. Il ne va pas accepter de travailler pour les Français. Trump va les rappeler. Et vous allez voir que le bloc de l'Ouest va commencer à descendre. Bah, le gars, là, Trump, là, il est nationaliste. C'est vrai, lui et puis le Moyen-Orient, ils ont un problème. Ça, je n'en disconviens pas. Lui et puis le Moyen-Orient, ils ont un problème. Lui et puis les Portugais, les Latinos, ils ont un problème. Mais lui et puis les Africains, là, Joe, on s'entend un peu. Il va les rappeler. Il va les rappeler. Il va faire entrer ses bases. Les agents de la CIA qui se promènent ici, il va les faire entrer. Mais nous, on sera là. Et on va gagner. Donc, il faut que les gens se calment. Quand Gbagbo dit j'appelle au rassemblement, c'est pas parce qu'il est faible. Non, il court derrière nous. Non, qui court derrière qui? Qui court derrière qui? Qui a fait le premier pas avec qui? Voilà la question. Gbagbo était tranquillement en Belgique. Quand Guitaoué est parti le voir. Après Guitaoué, Bédié lui-même est venu le voir. C'est Bédié qui a fait la cour à Gbagbo. Et quand il est rentré, il est parti le voir. Et ils ont mis 4 sur table et ils ont parlé. Gbagbo avait ouvert son cœur à Bédié. Il avait ouvert son cœur à Bédié. Mais en 2021, fin 2021, il y a une tentative de coup d'État qui planait. L'Occident voulait renverser Draman pour mettre un boy. Ils sont allés voir Gbagbo Bédié. Bédié a dit à Gbagbo, mais tu dis quoi? Gbagbo dit, mais si on enlève Pierre et qu'on met Paul, ça sera quoi? Si on enlève Draman et qu'on met Draman Bis, ça sera quoi? C'est le système qui endeuille nos enfants là. Le système qui asphyxie nos enfants là, c'est lui qu'on doit déraciner. Il faut attaquer le mal par la racine. Bédié était mélangé. Il a ouvert son ordinateur. Il a ouvert son ordinateur. Et il a lancé les appels. Et Bédié a entendu les appels. Bédié était rassuré. Bédié était rassuré. C'est pourquoi Bédié a dit que le nom de la réinscription du nom de Gbagbo sur la liste électorale est impérative pour la paix. C'est Bédié qui l'a dit. À ce moment, on n'avait pas encore parlé. À ce moment, Hubert Oulay n'avait pas encore parlé. C'est Bédié qui a parlé. Il faut inscrire. Ça dit quoi? La réinscription de Gbagbo sur la liste électorale est impérative pour la paix en Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si on ne fait pas ça, en Côte d'Ivoire, il ne peut pas avoir paix. C'est ce que ça veut dire. Bédié a dit ça en tant qu'un sage. Mais comme il le dit, quand le sage monte la lune avec son doigt, l'idiot regarde son doigt. C'est ça, les Ouagoura des PDC de maintenant. Là. Mais comme tous les PDC ne sont pas comme vous, le Côte d'Ivoire, eh bien, on va s'entendre. On va s'entendre. Sinon, aujourd'hui, là, Gbagbo, là, son cœur Baba, il a déposé plainte contre l'armée française. Il a dit un matin, la plainte est là. Et quand on prend le pouvoir, la plainte a réveillé ça. C'est ça qu'on va utiliser pour les chasser. C'est ça la vérité. Donc, il faut que les gens se calment. Calmez-vous. Calmez-vous, petit PDCIS. Petit Tchamis, calmez-vous. Si tu m'as fait mal, même c'est Go Waworo là. Elle est vilaine, André Kaka. Une go vilaine comme ça. Nye. Qui t'a derrière? Non, le devant. Non, le devant. A venir ici pour une parler. Go soit vilaine là. Donc, chers camarades d'Afrique, on va continuer. Alassane Draman va travailler et manier son gouvernement. Il va dissoudre le gouvernement bientôt. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi? Parce qu'en réalité, ça ne va pas. Les ministres là, je vous avais dit que Kandia Camara était en train de liquider ses biens qui sont en Côte d'Ivoire. Ses acquis en Côte d'Ivoire, elle est en train de liquider. Parce que Gbagbo dit quand il va prendre le pouvoir, et à coup sûr, il va prendre le pouvoir, il va lancer des audits partout, dans tous les départements, dans toutes les institutions de l'État. Il va lancer des audits. Donc Kandia Camara, c'est eux, ils savent que c'est fini, que les carottes sont cuites.
Ils savent, et ils savent qui doit venir au pouvoir. Ils savent ça. Ils savent qui doit venir au pouvoir. Et c'est vous comprenez, cher camarade d'Afrique. Donc, on dit ici, après avoir récupéré les 61 milliards d'Ahmed Bakayoko, après son décès, Grand Ouattara a récupéré l'argent d'Ahmed. Et repéré les 80 milliards de Kobena Adjoumani récemment. C'est pourquoi il a bloqué le passeport diplomatique d'Adjoumani. Récemment, Assa Ouattara, Adjoumani allait cacher 80 milliards quelque part à Bangladesh au Ghana. Adjoumani, il a volé 80 milliards, il y a des bourses qui n'étaient pas là-bas, au Ghana. Draman Ouattara s'intéresse de près aux 45 milliards de francs CFA de Anne Wolotto qui, selon les services de renseignement, sont hébergés en Guinée-Bissau. Donc, Anne Wolotto a volé l'argent. Il a vu ça, il a repéré ça en Guinée-Bissau. Adjoumani a volé 80 milliards, il a mis bras sur ça. André, c'était au Ghana. Les 60 milliards d'Ahmed Bakayoko, après son décès, il allait prendre ça. Donc, à l'air là, le gars, il va chasser tout cela. Et comme il y a remaniement en cours, c'est pourquoi les blés goudés, les affinissants ne disent pas d'abord, affinissants, il a dit, blés goudés là, lui, il attend parce que André, lui, sera nommé à la place de Kagame comme ministre. Il vient de la réconciliation. André, c'est ce qui le guette. Peut-être que le président va donner des gens. Peut-être que le président va donner des gens pour aller dans ah, André Adouane, c'est aux Seychelles. Ah, d'accord. Merci, Oxymore. Vous avez vu, non? Oui, d'accord. Donc, Draman veut faire remaniement. Parce que Yoromagne. Est-ce que vous comprenez ça? Mais, c'est gâté. Babou arrive. Et, je ne sais pas, les gens ne connaissent pas les Américains. Les Américains, là. Eux, là. Et au lieu de tout perdre là, il peut prendre un peu pour laisser le reste. C'est des hommes d'affaires. Business. Est-ce que vous comprenez ça? Et ils savent. C'est-à-dire qu'au lieu de tout perdre, il peut prendre un pour laisser un. Donc s'ils voient que, s'ils ne font pas attention et qu'ils s'impliquent trop dans l'affaire de Côte d'Ivoire, ils peuvent tout perdre. Et ils vont se retirer. Ils vont se retirer et puis ils vont jouer franc jeu. Comme ils l'ont fait à la dernière minute au Sénégal. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Donc, aujourd'hui, Draman est en train de chasser ses gars. Il a bloqué tous les passeports diplomatiques. Il se cherche. Il ne peut plus sortir du pays. C'est gâté sur eux. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, peut-être qu'il va faire remaniement et puis il va faire venir les autres là, les bleus goudés là, pour voir éventuellement s'ils peuvent travailler. S'ils peuvent rester, s'ils peuvent, on va dire, rallier le PPA, le PDG RDA. Mais nous là, on est PPACI. Et aujourd'hui, ce qui me fait plaisir, ce qui me rassure, c'est que nos gars sont sur le terrain. Hier, là, vous avez vu les multitudes de déclarations. Damanan Picasse, Kouaï Justin, Blaise Lars, Djabi. Tout le monde est en mouvement. Jusqu'à présent, nos gars sont dans les hameaux. C'est pourquoi il faut de l'argent. Et moi, il parle avec eux. Sur le terrain. Moi, il parle avec eux sur le terrain. Les fédéraux, là, je parle avec eux beaucoup. Ils n'ont pas assez de moyens pour aller là où il faut aller. Il faut qu'on cotise. Je vous demande de cotiser, chers camarades. Cotisons. Parce que le pays est en otage. Notre pays est pris en otage par Draman. Et la seule et unique personnalité capable de libérer ce pays s'appelle Laurent Gbagbo. Il a approuvé par A plus B. La seule et unique personnalité capable à même de libérer notre pays, la Côte d'Ivoire, s'appelle Laurent Gbagbo. Et 2025, c'est le moment idéal. Si on a perdu 2025, on est mort. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est une réalité.